Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Mariam, notre conférencière du jour, d'avoir accepté d'être là, malgré son emploi du temps chargé, je sais. Merci aussi à nos participants d'être là avec nous pendant 2 semaines de Donny Green. C'est comme vous le savez tous, Donny Green, c'est la conférence en ligne initiée par Donny Lab avec le soutien de l'ambassade de Grande-Bretagne du Mali, dont l'objectif est de partager le maximum de connaissances sur le changement climatique avec des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs afin qu'ils les prennent en compte dans leur business ou dans leurs petites entreprises. En tout cas, merci d'être là toutes les après-midi avec nous et merci à Elodie, à l'équipe de Donny Lab, qui font quand même un travail fourni derrière pour qu'on ait cette qualité de prestation. Bienvenue. Donc, je passe la parole à Elodie afin qu'elle introduise Mariam. Donner le coup d'envoi. Merci. Merci Tidiane. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aussi aux participants qui s'accrochent dans ce cycle de conférences. Vous êtes très présents et donc on est là pour cette cinquième conférence dédiée au thème de l'agriculture face au changement climatique. Lundi et mardi, c'est un chercheur qui nous a présenté les scénarios possibles pour l'agriculture dans le Sahel et donc les impacts auxquels qu'il faudra prendre en compte. Mercredi et jeudi, nous avons eu des témoignages d'entrepreneurs et aujourd'hui encore, donc nous recevons Mariam Doumbia, qui est elle aussi entrepreneur et qui donc nous parlera essentiellement des assurances dans le secteur agricole au Mali. Alors, Mariam, j'aimerais pouvoir vous présenter un peu plus en détail. Vous êtes la COO, donc Chief Operating Officer et directrice pays de Oko Mali. C'est une start-up qui propose des produits d'assurance agricole et des solutions d'inclusion financière aux petits exploitants agricoles des marchés émergents grâce à la technologie mobile. Donc, vous allez nous présenter cette activité en détail ce soir. Vous êtes aussi à la tête du projet Mali Startup Act, une initiative de coalition entre secteur privé et l'État visant à mettre en place des cadres incitatifs pour la création et la croissance de startups au Mali. Également, mais c'est important de le souligner, vous avez été responsable des programmes chez DoniLab, où vous avez piloté le premier centre d'accompagnement des agro-entrepreneurs mis en place par le secteur privé au Mali. Vous avez aussi déjà travaillé par le passé chez Cross Boundary, une société de conseil international, ou à travers un projet de USAID, où souteniez les entreprises agroalimentaires au Mali dans leur levée de fonds sur les marchés locaux et internationaux. C'est vraiment une très belle expérience professionnelle avec cette expérience au sein de DoniLab. On sait que vous êtes familière pour ce type d'exercice. Vous connaissez votre public ce soir. Vous êtes très bien préparé pour cette présentation, pour partager toutes vos connaissances sur le sujet. On vous remercie vraiment d'être là ce soir. Pour les participants, je voulais juste lancer un petit sondage avant de démarrer pour voir un petit peu votre niveau de connaissance par rapport à l'assurance agricole. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'assurance agricole? Allez-y, vous pouvez voter. Est-ce que vous en avez jamais entendu parler avant cette conférence, avant que nous en parlions dans Denis Green? Ou est-ce que vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne? Ou alors, vous en entendez de plus en plus parler, vous connaissez le principe? Ou peut-être que vous connaissez bien et vous pensez que c'est indispensable, ou vous connaissez bien et vous ne pensez pas que ce soit adapté pour le Mali. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre, voilà, pour que Mariam sache un peu mieux votre niveau de connaissance et peut-être aussi ce que vous en pensez à ce stade. Donc, allez-y, certains n'ont pas encore pris part au sondage.
Voilà, je vais arrêter le sondage dans quelques secondes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Allez-y, lancez-vous. Ok, j'arrête le sondage. Donc, pour 50% d'entre vous, vous avez déjà entendu parler d'assurance agricole, mais vous ne savez pas comment cela fonctionne. Voilà, donc les résultats sont partagés maintenant. Voilà, je ferme la fenêtre. Donc, Mariam, vous voyez les résultats de ce sondage. On espère que vous allez pouvoir éclairer tous nos participants ce soir. On est confiants. Je vous laisse ouvrir le micro et donc n'hésitez pas si vous voulez encore donner quelques mots sur vous et puis dérouler la présentation, sachant que à tout moment, on peut voir aussi les questions des participants et on peut aussi faire comme hier. Si vous êtes dans les bonnes conditions et souhaitez poser vous-même la question, n'hésitez pas à lever la main avec la petite icône que vous avez sur la plateforme Zoom, sachant que si vous ne le faites pas, on ne saura pas quel micro ouvrir. Voilà, je vous remercie et Mariam, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Élodie et merci à Tidiane pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver encore une fois sur les plateaux de Donilab, vu que je suis une ancienne de l'incubateur. Et ça me fait notamment plus plaisir de savoir qu'il y a 50% des gens qui connaissent l'assurance mais ne savent pas ce que c'est. Donc j'espère vous apporter un peu de connaissances par rapport à l'assurance agricole, mais surtout dans le contexte malien et surtout partager avec vous mon expérience d'entreprendre dans le domaine agricole au Mali. Donc, encore une fois, merci beaucoup à l'équipe de Nilab et c'est vraiment un grand plaisir d'être là avec vous tous. Donc, je vais partager mon écran très rapidement. Élodie, tu me dis si tu arrives à voir mon écran. Ok, voilà, on voit l'écran. Hop, on peut mettre en panorama. Parfait, c'est tout bon. Ok, super. Donc, pour commencer, je voulais parler un peu de moi, mais je pense que Élodie a déjà tout dit. Donc, je vais très rapidement revenir sur mon parcours, mais ensuite, on va passer à l'assurance agricole. Donc, moi, c'est Mariam Bimbia. Je suis directrice Mali de OCO. OCO, c'est une entreprise qui développe des produits d'assurance agricole pour les exploitants. Je suis jeune comme vous. Je suis malienne comme vous tous. J'ai fait mes études aux États-Unis et en Angleterre, mais tout juste après mes études, je suis retournée au Mali. Ma famille a toujours évolué dans le monde agricole et donc c'était naturel pour moi de me retrouver dans ce secteur-là. Par contre, quand on est jeune, on a tendance à vouloir tout essayer. Et sans vous mentir, c'est ça qui m'est arrivé. Mais j'ai trouvé que c'était une belle opportunité parce que ça m'a permis de découvrir tellement de choses et surtout de comprendre sur quoi je devrais m'orienter. Donc, quand j'ai rencontré mes cofondateurs, c'était comme si toutes les pièces sont venues ensemble. Directement, j'ai vu que, waouh, ce projet-là, il fallait que je m'y investisse. Je savais que c'était une start-up. On était tous au tout début. Ils venaient juste de débarquer au Mali. Et donc, il y avait du boulot à faire. Mais c'est cette partie qui était très excitante pour moi, de voir comment concrétiser une idée digitale dans le monde agricole au Mali. Et c'est pour vraiment cette raison que je me suis lancée, pour le challenge, mais aussi pour l'opportunité que ça représentait pour le secteur. Et je savais très bien que si nous, on ne le faisait pas, il n'y a personne d'autre qui allait le faire. Donc, c'est vraiment un peu mon parcours. Aujourd'hui, bon, je pense que j'ai à peu près 50 minutes. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais rapidement vous parler de qui on est à OCO et comment fonctionne l'assurance agricole. Ensuite, je vais vous présenter un peu nos résultats de l'année dernière, ce qui est prévu pour cette année, surtout les outils digitaux qu'on utilise, parce que si vous êtes des startups, j'imagine que vous pensez évidemment à l'utilisation des outils digitaux. Et ce n'est pas tous les outils digitaux qui marchent pour tout type de projet. Donc, je vais vous présenter un peu ce que nous, on utilise pour faciliter notre travail. Ensuite, il y a une partie, j'espère, qui vous intéressera beaucoup. C'est nous, notre expérience de levée de fonds. Parce qu'au Mali, en tant qu'entrepreneur, on parle toujours de levée de fonds, on parle toujours d'investissement, mais on n'a pas concrètement d'expérience de comment quelqu'un a levé des fonds, surtout dans le monde agricole.
Donc, j'aimerais vous parler un peu de ça. Et finalement, les leçons que moi, personnellement, j'ai apprises dans le développement de cette entreprise. Donc, j'espère que c'est assez excitant pour tous. D'accord, très bien. Donc, OCO, c'est une start-up. Bon, je dirais maintenant, on commence à aller vers une start-up plus mature. Donc, on a fait la phase d'idéation, on a fait la phase de start-up. Maintenant, on est vraiment à la phase de croissance. On utilise des technologies mobiles pour évidemment développer des solutions agricoles, des solutions d'assurance agricole. Donc, notre modèle, notre business model, comme vous l'avez eu à l'entendre, je suis sûre, c'est qu'on est en partenariat avec des grands assureurs, des grandes assurances, telles que Allianz et Sumo. Ensuite, on a Orange Mali, en réalité. Orange Mali, c'est l'opérateur mobile le plus connu au Mali, surtout Orange Money. Ils ont plus de 3 millions d'utilisateurs présentement au Mali. Donc, on collabore avec ces deux types de structures. Nous, on fait la distribution de l'assurance. En contrepartie, on garde un pourcentage des revenus qui sont générés à travers les primes d'assurance. Je ne suis pas encore entrée dans ce que c'est que l'assurance agricole, mais ça va venir. Donc, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est important? C'est important premièrement parce qu'on sait tous que les agriculteurs dépendent de la qualité de leur récolte. Surtout dans les petites zones rurales, on sait très bien que durant la campagne, durant la saison des pluies, c'est vraiment le moment où les producteurs se font de l'argent. C'est-à-dire à partir de juin jusqu'à août, tout ce qu'ils arrivent à produire et à récolter, ça va déterminer les revenus qu'ils ont pour le reste de l'année. Donc, ces 4 mois sur l'année sont incroyablement importants, surtout pour les tout petits producteurs qui n'ont pas de système d'irrigation. Et c'est pour ça que l'assurance est très importante. Deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit à l'entendre toute la semaine, le changement climatique est réel. Donc, imaginez être un petit producteur dont les revenus sur l'année dépendent de ces 4 mois-là. Imaginez qu'il ne pleut pas assez et qu'il pleuve assez, et donc le producteur perd sa récolte grâce à une inondation. Donc, dans ce sens-là, le producteur est vraiment laissé sans source de revenus. Ce qu'on appelle sans financial safety net. Il n'y a pas de safety net pour ce type de producteur-là. C'est pour ça que c'est important. Troisième chose, c'est que vous êtes tous là parce que l'agriculture est importante pour vous. Et vous savez que 80% de la main-d'œuvre travaille dans le monde agricole d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment les raisons principales pourquoi on s'est dit qu'il fallait créer une solution qui puisse répondre aux besoins de ces tout petits producteurs qui dépendent du climat. Alors, quand on regarde l'Afrique en général... Ariam, par rapport au son du micro, là, je ne sais pas si c'est quand vous touchez les écouteurs ou en touchant l'ordinateur, il y a quelques bruits. Par... Je suis un peu chez vous. C'est juste une seconde. D'accord, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux maintenant. Oui, on entendait, mais c'est vrai qu'il y avait des petits bruits parasites en plus. Alors, allons-y comme ça, on va faire comme ça. D'accord, très bien. Donc, c'est vrai qu'on voit le besoin, mais il y a également un marché qui se présente. Ici, au fait, on parle de plus de 500 millions de petits producteurs qui sont un peu partout en Afrique, qui vivent dans le système que je viens de vous parler, le système où ils vivent littéralement de la production qu'ils font durant la saison des pluies. Ça, c'est 500 millions de producteurs africains qui, chaque année, peuvent payer à peu près 5 000 francs CFA ou 6 000 francs CFA par hectare pour assurer leur état en termes monétaires. Vous verrez que cela représente plus de 20 milliards de dollars en marché. C'est l'une des raisons pourquoi on est aussi dedans. Parce que le marché est là et l'opportunité est là.
Donc, principalement, cette opportunité existe parce que les assureurs classiques n'arrivent pas au fait à répondre aux besoins de ces tout petits exploitants-là. Généralement, les grandes entreprises d'assurance, et c'est aussi le cas au Mali, les gens ne font pas confiance à l'assurance. Il faut se déplacer pour aller vers l'assureur, pour s'assurer. Et une fois que, voilà, il y a des pertes, ben, ça va te prendre une année ou deux ans avant que ton assureur te réponde. C'est vraiment un problème classique et on le voit surtout dans l'assurance véhicule. Toute personne qui a une moto ou une voiture au Mali savent vraiment de quoi je parle. Donc, c'est vraiment un modèle qui n'est pas adapté aux petits exploitants. La première raison, c'est parce qu'il faut faire déplacer l'expert de l'assurance, du bureau d'assurance, pour aller au champ du producteur, pour évaluer trop de pluie ou pas assez de pluie. Il faut faire déplacer quelqu'un qui va aller vérifier l'état des champs. Et ça, ça coûte extrêmement cher. L'autre raison, c'est parce que les petits producteurs ne sont pas dans des grandes villes. Donc, ils ne peuvent pas forcément aller auprès d'un assureur pour s'assurer. Deuxième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément une éducation financière qui les permet. Mariam, tu peux continuer. Oui, il y a eu un petit bug, donc on n'a plus le partage de la présentation. D'accord. On en était arrêté au moment où vous disiez qu'ils n'ont pas forcément l'éducation financière suffisante pour pouvoir, j'imagine, dialoguer avec les banques. J'arrive pas à partager mon écran, Elodie. Alors. Est-ce que c'est possible maintenant? Ok, on va essayer. Ok. Vous arrivez à voir mon écran? Voilà, c'est bon, c'est comme tout à l'heure. Ok, super. Donc, du coup, nous, on a mis en place une solution qui permet à tout petit producteur, que vous soyez au fin fond d'un village ou que vous soyez en ville, de composer un code simple sur votre téléphone qui ne nécessite pas d'Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle le menu USSD. C'est un menu qui est sur le téléphone de tout utilisateur d'Orange, donc le Jazz 144 Jazz. Et à partir de là, le producteur peut voir les différentes cultures qu'on assure et adhérer au produit. Donc, et il peut payer également tout doucement à travers son téléphone. C'est vraiment un système monétaire qui permet à tout le monde de payer dollar par dollar, centime par centime leur assurance sans pouvoir se déplacer, sans devoir à se déplacer. Et donc, durant la saison des pluies, OCO observe à distance en utilisant le satellite et ce qu'on appelle le Big Data pour comprendre dans chaque rayon de 10 km au sud du Mali quel montant de pluie est tombé et dans cette zone-là, combien de montants de pluie auraient dû tomber pour que la saison soit bonne. Et donc, si on observe dans une zone que ce montant de pluie n'est pas tombé, l'assurance est automatiquement déclenchée et le producteur reçoit automatiquement une compensation financière via son mobile. Désolée, je suis un peu entre francophone et anglophone, donc de temps en temps, c'est difficile de dire les choses. Voilà, donc s'il n'y a pas assez de pluie ou il y a trop de pluie, le producteur est automatiquement compensé. C'est pour quelqu'un qui est en dehors de l'assurance, c'est un peu difficile à comprendre. Donc, je vais vous donner un exemple concret d'un modèle qu'on a utilisé, d'un système où on a utilisé les outils digitaux qui existent pour apporter un service. Donc là, c'est le cas de l'assurance sécheresse. Donc, comme je vous le disais, on assure soit contre la sécheresse ou l'inondation. Donc, c'est vraiment tout ce qui est relié au climat. Parce que c'est la chose qu'on peut mesurer à distance avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc, si on prend l'exemple d'un village dans la commune de Sikasso, on a divisé la saison en trois parties. Il y a la phase de germination des plantes,
la phase de croissance des plantes et finalement la phase de maturation des graines. On sait que dans ce village spécifique, la meilleure période pour planter, c'est du 21 mai au 10 juin. Donc, on sait qu'il y a un montant spécifique de pluie qui doit tomber durant cette phase, dans ce village-là, pour que la phase de germination soit une réussite. Pareil que pour la croissance et pour la maturation. Et donc, comme vous le voyez, la partie verte, c'est nous ce qu'on appelle le seuil de déclenchement. Donc, une fois que dans la phase de germination, il pleut 69 mm de pluie, on se dit, s'il a plus ce montant de pluie, la phase de germination doit être bonne. Mais par contre, s'il commence à pleuvoir moins de ça, c'est-à-dire le montant de pluie accumulé est moins de 69 mm, automatiquement, l'assurance pour la phase de germination est déclenchée. Et donc, tout au long du processus, le producteur est dans sa zone et à la fin de chaque phase, il est informé par SMS et par messages vocaux s'il a droit à une compensation financière ou pas. Donc, si le montant de pluie tombe jusqu'à un certain niveau, le producteur reçoit une compensation partielle. Mais s'il tombe moins de 54 mm, ça veut dire que vraiment, quel que soit l'argent que le producteur a mis dans sa production, la phase de germination n'est pas une réussite. Donc, il y a un montant total qui est décaissé. Et ce montant total représente les dépenses que le producteur a fait pour pouvoir s'aimer et passer la phase de germination. Donc, s'il a fait le labour, s'il a acheté des graines, s'il a acheté des pesticides, c'est ça qu'on calcule pour déterminer la valeur d'un hectare. Et c'est sur cette base-là que le producteur est aidé pour qu'il puisse repayer les mêmes semences et replanter. Ça, c'est assez clair. Élodie, ça va jusqu'à là? Je suis avec grand intérêt. Et donc, ça, c'est peu importe la spéculation, n'est-ce pas? Voilà. Ça dépend vrai. Chaque spéculation et chaque village a ses risques. Tu vas trouver que dans un village, c'est des pentes, c'est une pente. Et donc, s'il y a beaucoup de pluie qui tombe, l'eau va partir rapidement. Donc, il n'y aura pas d'inondation. Mais dans le village voisin, tu vas trouver qu'ils sont dans une vallée. Et donc, si l'eau vient, l'eau va stagner et ils vont être face à une inondation. Donc, toutes ces données sont prises en compte et tout cela est calculé en fonction de la culture, donc du montant de pluie qu'une telle culture a besoin et en fonction de la localité du producteur. D'accord. Et le producteur va souscrire une assurance selon la superficie qu'il aura donc cultivée, n'est-ce pas? Exactement. Donc, les prix pour assurer un hectare est autour de 6 500, ce qui représente à peu près 10 $. Et dans le cas du maïs, qui est le calcul que je vous montre ici, en cas de perte totale toute la saison, le producteur peut être compensé à hauteur de 159 000 francs CFA. Ce qui est énorme pour un producteur malien. Ça représente vraiment la valeur que tu as mis dans un hectare pour avoir ta récolte. D'accord. Il n'y a pas forcément de questions pour le moment, donc on va continuer, j'imagine. D'accord, très bien. Donc, nous, on a commencé au Mali en 2018. Comme tout start-up, on a commencé avec des pilotes. Et ça, je recommande forcément des pilotes, que ça soit un nouveau projet ou que ça soit dans un secteur qui existe depuis 10 ans, il faut commencer avec des pilotes. Donc, nous, on a commencé avec des pilotes sur des petites superficies. On a fait d'abord le riz dans la zone de l'Office du Niger. Ensuite, on a fait la zone de Baguignada dans le cadre de l'assurance oignon pour tester si les producteurs allaient adhérer et pour comprendre quels étaient leurs besoins spécifiques. Et suite à ça, on a adapté notre produit pour que ça réponde à leurs besoins. Surtout une fois qu'on amène la digitalisation dans le monde agricole, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Donc, il fallait vraiment tester si les producteurs allaient prendre, s'ils allaient vouloir acheter un produit qui n'existe pas. Parce que c'est ça la différence entre apporter des services complémentaires dans le monde agricole et vendre un produit brut. C'est qu'un produit tel que l'assurance, c'est un produit qui n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut voir. C'est une idée, c'est un concept qu'on vend aux producteurs. Et donc, dans le monde agricole, tu mélanges ça avec le digital, les producteurs te disent « miette, c'est bon ».
Je vais faire comme moi, mes parents ont toujours fait. Je vais planter de telle date à telle date. Si j'ai ma culture, si j'ai ma production, alhamdoulilah. Et si ça ne marche pas, bon, au moins, vous n'allez pas me voler mon argent. Donc, c'est vraiment ce qu'ils avaient en tête. Donc, dans nos phases pilotes, on a eu 450 producteurs en moins de 3 semaines qui se sont assurés. Pour nous, on ne s'attendait pas à ça. Franchement, ça va vous mentir. On avait des agents sur le terrain, mais les producteurs étaient très réticents pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Donc, au fil du temps, on a travaillé avec un projet canadien qu'ils avaient une subvention pour déployer, pour fournir de l'assurance dans certaines communes du Mali. Et donc, on les a demandé, est-ce qu'on peut distribuer votre produit pour vous? Ça va nous permettre de tester, nous, notre modèle digital en utilisant votre produit, vu que le monde agricole fait plus confiance aux ONG. Donc, c'est à travers ces petites choses-là qu'on a commencé à rentrer dans ce secteur-là. C'est vrai que le secteur agricole est là, mais une fois qu'on parle d'assurance et de changement climatique, ben voilà, les gens sont perdus. Donc, on a cherché les moyens pour petit à petit montrer notre notoriété, mais surtout tester notre modèle digital. Donc, on savait que c'est le digital qui allait nous permettre d'atteindre le maximum de producteurs. Du coup, après 2 ans de phase pilote, on est arrivé à notre lancement national qu'on a fait l'année passée. On était dans 4 régions du Mali, que sur le produit maïs. Encore une fois, tu testes, tu développes les produits jusqu'à ce que tu atteins tes objectifs. Et tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait le maïs, la campagne derrière. On a intégré notre mécanisme de paiement sur le JES 144 JES. Aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup le compte paiement marchand qui permet aux boutiquiers, aux différentes entreprises d'avoir, bon, les clients payent à travers le compte marchand. Mais nous, on ne voulait pas le compte marchand. On voulait que les gens comprennent que l'assurance était quelque chose de réel. Donc aujourd'hui, si tu pars sur le menu JES 144 JES, de la même manière que tu peux payer pour ton électricité ou pour ton assurance vie, c'est de la même manière que tu peux prendre ton assurance agricole. Et ça nous coûte extrêmement cher, mais ça valait la peine. À moins de 4 mois d'activité en étant sur le menu, on a eu plus de 30 000 demandes d'appel, juste à travers le JES 144 JES. Les gens qui vont là-bas et qui disent « Ah, c'est intéressant ça, je veux en savoir plus. » Et de ceci, on a pu inscrire 5 000 producteurs à l'assurance, mais on a eu près de 2 000 producteurs qui étaient des producteurs de maïs et qui se sont assurés à 100%. Et ça, c'était, on était en activité pendant 4 mois. Donc, c'était extrêmement intense, mais le résultat était là. On était choqués, sans vous mentir. C'est vrai que 2 000 producteurs, ce n'est pas grand-chose, mais au Mali, que les gens comprennent l'importance du changement climatique et décident de sortir de l'argent de leur poche pour s'assurer contre les changements climatiques, pour nous, ça, c'était un succès. Donc, on est arrivé à la fin de la campagne et comme vous le savez tous, dans le Sahel, cette année, les inondations ont fait des désastres. Mais je veux dire vraiment des désastres, que ce soit pour les maisons ou pour les cultures. Surtout au Mali, c'était un désastre. Avec le coup d'État, le fait qu'il y avait Corona, les marchés étaient bas. Vous connaissez tous peut-être le cas du coton, où il y a presque pas de cotonculteurs cette année parce que la CMDT n'avait pas payé. La Compagnie nationale du coton n'a pas pu donner l'argent des producteurs à temps pour qu'ils puissent produire du coton. Donc, les producteurs étaient frustrés. Et vous avez cette petite start-up qui vient et qui dit, ben, écoutez, à cause de toutes ces innovations-là, tout le monde qui se sent inscrit, vous allez tous être compensés. On a compensé 1300 producteurs jusqu'à hauteur de 50 millions de francs CFA. Je peux vous dire que pour moi, la beauté de la chose, c'était aller sur le terrain et payer ces producteurs-là par leur téléphone et voir sur leurs yeux, waouh, moi, j'y croyais pas. Et regardez aujourd'hui, sur mon téléphone, mon assurance vient de me donner 200 000 francs CFA pour m'aider parce qu'il y a eu trop d'eau dans ma zone. Ils y croyaient pas. On les a pas demandé de venir au bureau pour s'inscrire ni pour recevoir leur compensation. Tout a été calculé en utilisant le satellite et on a identifié les zones où il y a eu des fortes inondations et on a payé chaque producteur le montant qu'il devait recevoir. Et ça, c'était une réussite pour nous. Aujourd'hui, aucun État ou aucune structure étatique ni une ONG peut dire qu'au Mali en 2020, ils ont dépensé autant d'argent pour aider les producteurs qui ont fait face aux inondations.
Donc ça, pour nous, ça montre qu'une start-up au Mali, ça peut marcher. Donc ça, c'est un peu le récapitulatif des résultats. Comme je vous le disais, on était dans 4 régions. Ça, c'est les nombres de communes où on a identifié des inondations. Les producteurs ont payé en moyenne 5 000 francs pour être assurés. Et comme vous le voyez, le minimum de compensation dans la zone de Sikasso par hectare, c'était 17 000. Il y en a qui ont reçu 159 000. Et en moyenne, par hectare, les producteurs qui ont payé 5 000 ont reçu 60 000 francs CFA. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas petit non plus. Voilà. Donc, durant le développement de notre modèle startup, dans ce domaine qui est très, très nouveau, on a remarqué qu'au-delà de l'assurance, les producteurs demandaient aussi d'autres types de soutien. Notamment, bon, voilà, vous allez nous assurer, mais je n'ai pas forcément les fonds qu'il me faut pour payer les semences et produire. C'est là où on a commencé à aller vers les microfinances, en leur disant, on a ces producteurs qui sont assurés. Donc, chaque producteur qui a payé un hectare, en cas d'inondation ou de sécheresse, il peut toucher jusqu'à hauteur de 159 000. Est-ce que vous serez prêt à ce que cette assurance devienne une garantie au niveau de votre banque pour que ces producteurs-là puissent recevoir des microfinances? Donc, moi, en tant que producteur, je me présente au niveau de la microfinance. Je donne mon assurance OCO qui est digitalisée. Donc, Baobab peut voir à temps réel si le producteur a payé ou pas. Donc, s'il a assuré à hauteur de 159 000 francs CFA, il peut avoir du crédit à cette hauteur sans pour autant déposer une garantie. Et pour les producteurs aujourd'hui, c'est vraiment tout ce tralala-là de microfinance, de garantie qui les fatigue beaucoup. Et on peut comprendre. Donc, il fallait aller maintenant à la recherche de différents partenaires pour complémenter notre service. Et l'un de ces partenaires, c'était les microfinances. On a testé le modèle avec Baobab, qui est une... Baobab, Microcred. Voilà, il s'appelait Microcred, aujourd'hui c'est devenu Baobab. Ben, eux, ils ont voulu tester le modèle avec nous. Donc, en un mois et demi, on les a apporté un portfolio d'à peu près 36 millions, mais ils ont pu donner du crédit qu'à peu près à 15% des demandeurs de crédit. Mais par contre, avec les inondations, OCO a pu rembourser 78% des crédits que nos producteurs ont pris. Donc, pour chaque producteur qui a pris un euro, on a pu payer à sa place 78 centimes, ce qui n'est pas petit. Et donc, les taux de remboursement étaient entre 15% et 120%. Il y a des producteurs où l'argent qu'ils ont pris auprès de la microfinance, non seulement l'assurance a remboursé ça, mais il y avait même de l'argent supplémentaire qui lui restait. Donc, les microfinances ont commencé à voir que ça, c'est vraiment une opportunité qui peut être exploitée parce qu'on a testé le modèle. On a également testé un modèle de partenariat avec des coopératives et surtout les ONG qui accompagnent les coopératives. Pour la petite histoire, en 2018, quand on a commencé, croyez-moi, on est parti à la recherche de partenariats chez tout le monde dont je vous parle. Mais personne ne voulait être en partenariat avec nous parce qu'on était une jeune start-up. Eux, ils devaient nous donner un petit boost pour qu'on puisse tester le modèle. Mais tout le monde veut voir d'abord que tu réussisses avant qu'ils décident de se mettre en partenariat avec toi. Donc, on a attendu, on a été patient et on est arrivé à un moment maintenant où c'est les ONG qui viennent vers nous pour dire « Ah, dans mon projet, on dirait qu'il y a ça qui manque. Je veux bien ajouter l'assurance à mon programme. » Donc, pour nous, ça, c'est une réussite. Donc, le modèle avec l'une des ONG, c'était SOS Fin. Ils travaillent généralement avec les coopératives. Donc, on leur a proposé de nous accompagner à la rencontre de leur coopérative. Il y en a qui ont des membres de 1000 personnes et on présente le concept à ces coopératives-là. S'ils adhèrent, l'ONG prend un pourcentage de leur assurance et la microfinance elle-même paye le reste. En cas de compensation, l'ONG peut dire à ses bailleurs de fonds, ben regardez, c'est vrai que les producteurs qu'on a accompagnés n'ont pas pu avoir un certain rendement dû au changement climatique et aux problèmes climatiques. Mais par contre, l'assurance est venue pour soutenir ça. Donc, nos objectifs sont techniquement atteints, en quelque sorte. Donc, il faut voir tous ces modèles-là et c'est juste au fil du temps qu'on peut voir ça, au fil du développement du projet.
Donc ça, c'est l'un des exemples où une des ON, une des coopératives a assuré 140 hectares. Ils ont payé 800 000 francs CFA pour s'assurer, pour assurer les 140 hectares. Et à la fin de la saison des pluies, due aux inondations, on les a donné un portefeuille de 6 700 000. C'est en ce moment-là qu'ils se sont dit, ah oui, l'assurance, c'est vrai. Hein. Voilà, donc on a tenu des séances de restitution un peu partout au Mali, ce qui était très, très intéressant. Vous voyez les photos de certains de nos producteurs qui se sont fait compenser avec leur téléphone. Voilà, donc pour la campagne 2021, je vais vous présenter mon équipe. Donc, on est parti de quelques cofondateurs à maintenant une équipe qui s'accroît très rapidement. Donc, au Mali, tu as moi, ma directrice des partenariats et mon directeur des ventes. Et au niveau local, on a 5 responsables régionaux qui, eux, à leur niveau, ont des agents sur le terrain. Et ces agents-là ont des relais sur le terrain qui leur permettent d'aller dans les coins les plus éloignés de chaque commune où ils sont. Et pour la petite histoire, la chose la plus difficile pour moi cette année ou pour mon équipe cette année, c'était de trouver un modèle de rémunération pour nos agents et nos relais. Vu que nous-mêmes, on a un petit pourcentage de l'assurance qu'on vend, comment est-ce qu'on fait pour motiver nos agents sur le terrain, pour aller sensibiliser les producteurs, leur faire comprendre l'importance de l'assurance dans ce moment de changement climatique? Il fallait trouver un mécanisme de rémunération qui allait vraiment être à leur avantage, qui allait les motiver au fait. Parce qu'aujourd'hui au Mali, si tu n'as pas une bonne équipe là, tu peux avoir la meilleure idée au monde, si tu n'as pas une bonne équipe, franchement, tu n'as rien. Je ne vais même pas vous mentir là-dessus. Donc, ça, c'est un peu l'équipe. On a le CEO qui est Simon. Lui, il s'occupe principalement des levées de fonds et du développement à l'échelle internationale. On a Shezad qui est notre CTO. Donc, toutes les technologies qu'on utilise ou on développe, c'est lui qui s'occupe de ça. On a un actuaire en chef et tout le monde est un peu éparpillé dans le monde. Hein. Et lui, il s'occupe de la conception des produits d'assurance. On a Ivan, qui est basé dans nos offices, dans nos bureaux maintenant au Uganda. Et on a George, qui s'occupe avec Orange Mali de tout le développement sur le menu Jazz 144 Jazz. Donc, au niveau local, on a nos responsables régionaux, leurs agents, mais également le centre d'appel, qui répond aux demandes qu'on reçoit sur le Jazz 144 Jazz. Donc, vraiment, l'équipe a commencé avec Simon, Shezad et moi. On était vraiment les trois premiers sur ce projet. Moi, je suis venue un peu en retard, mais très rapidement, je me suis positionnée. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut aussi la bonne équipe. Il faut les bons partenaires. C'est une chose de dire, j'ai une idée, j'ai mes connaissances, j'ai suivi des formations, mais une équipe start-up à succès est une équipe qui a diverses qualités. Donc, mes cofondateurs, par exemple, l'un connaît la technologie. Et l'autre connaît les finances. Et moi, je connais les opérations. Donc, nous trois ensemble, on arrive vraiment à compléter les uns et les autres. Et c'est pour ça que j'ai joint l'équipe. Je me suis dit, ces deux-là, ils ont besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ces deux-là. Parce que ce qu'ils ont, moi, je ne l'ai pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de créer une équipe de fondateurs. C'est à votre avantage. Et les investisseurs, c'est ce qu'ils veulent voir. Que vous n'êtes pas le seul avec votre petite idée et vos connaissances en technologie. Ils veulent voir que vous avez une équipe qui a multiples compétences pour répondre à leurs besoins. Voilà. Donc, cette année, on a segmenté nos clients. On s'est attaqué aux petits exploitants, aux exploitants commerciaux et aux coopératives. Et on a développé de nouveaux outils digitaux qui nous permettent d'aller à la rencontre de chacun de ces catégories-là. Mais l'année passée, on ne pouvait pas faire ça. Mais chaque année qui passe, chaque activité que tu accomplis, de nouvelles idées viennent. Donc, tu ne peux pas avoir un modèle parfait au début et connaître tes clients, mais il faut savoir tes cibles. Au fil du temps, là, tes clients vont s'identifier tout seuls. Donc, l'année passée, on a fait le maïs. Ça a été un succès. On a vu les résultats. Donc, on a décidé d'aller vers nouveaux produits. On pouvait commencer avec ces quatre-là, mais le coût allait être énorme pour nous. Et on ne savait même pas s'il y avait une base de clientèle. Donc, après le maïs, on est passé au coton. Maintenant, on fait tout ce qui est mil, sorgho et finalement le sésame. En même temps, on était à Kulikoro, Ségou, Kai et Sikasso. Cette année, Mopti est également rentré dans nos activités. Donc, petit à petit, ça commence à venir.
Donc, comme je vous disais, on a nos partenaires solides qui sont Orange et Sunu. Sunu, c'est eux qui repayent les producteurs en cas d'indemnisation. Parce que Oko, en tant que start-up, on n'a pas un franc, hein, sans vous mentir. Donc, tu as besoin d'une structure, d'une grosse structure derrière toi qui peut rapidement dépenser 300 millions de francs CFA s'il le faut en un clin d'œil. Et on savait que pour qu'on soit crédible, il fallait aller à la recherche de partenaires comme ça. Donc, à part les partenaires, on a les partenaires microfinance. On a testé avec Baobab et aujourd'hui, on est vraiment à une phase avancée de signature de convention avec trois autres microfinances qui vont permettre à d'autres producteurs, aux producteurs d'avoir d'autres choix quand ils viennent aux microfinances. Pareil que pour les distributeurs d'intrants, on a réalisé qu'avec des partenaires tels que Toguna, qui est le plus grand producteur de fertilisants au Mali, ou avec une compagnie telle que Camara Semence, eux, ils peuvent mettre l'assurance dans leur paquet et le distribuer. Donc, ça diversifie, nous, nos canaux de distribution. Mais tout cela est venu petit à petit. On a commencé tout seul. Finalement, on a d'autres types de partenaires, tels que les confédérations agricoles. Il y a l'interprofession maïs, la confédération coton, qui nous permettent d'avoir accès à des coopératives, à des plus gros lots de producteurs en un seul coup. Donc, pour nous, c'est vraiment cette année qu'on a compris l'ampleur de notre produit et l'impact. Et donc, on va à la recherche de partenaires qui nous permettent d'atteindre le maximum de producteurs en un seul coup. Donc, les résultats, déjà, en 2021, c'est qu'on a lancé les produits en décembre 2020. Comme je vous le disais, l'année passée, on a eu 2000 producteurs qui se sont assurés. Et ça, c'était durant toute la campagne. Pour vous dire qu'en 2021, on a commencé les activités il y a un mois et demi et on est déjà à 5800 clients payants. En moins de 2 mois, on a triplé le nombre de producteurs qu'on a pu atteindre l'année dernière. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Et on a encore 4 mois pour continuer à inscrire les producteurs. On a pu atteindre 27 coopératives durant ces un mois et demi, qui représentent à peu près 1200 producteurs qui sont assurés, plus les 5000 producteurs. Et pour finir, vous allez toujours entendre les gens vous demander quel est votre taux de rétention. Votre taux de rétention, ça veut dire les clients que j'avais l'année passée, combien de clients ont décidé de reprendre mon produit. Et c'est ça que les investisseurs et vos partenaires veulent voir. Parce que ça, c'est la base de votre base de clientèle. Si vous arrivez à garder votre base de clientèle, ça veut dire que les gens aiment le produit. C'est facile pour moi d'adhérer à l'assurance cette année, de le tester. Si je ne l'aime pas, l'année prochaine, je ne vais pas m'assurer. Mais si je le teste cette année et que je l'aime, et que l'année prochaine, je me réassure, l'assureur doit savoir que je suis vraiment intéressée par le produit. Et donc aujourd'hui, nous, notre taux de rétention, c'est 85% de nos clients reviennent pour se réassurer. Voilà, donc je vais vous introduire rapidement à nos différents outils. Je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps. Pour ceux qui ont leur téléphone Orange, vous pouvez composer le JES 144 JES, 343 JES. Élodie, peut-être tu peux mettre ça dans le... comment on appelle ça? Dans le message? Dans la discussion? Oui, dans la discussion. Oh oui. Alors. Donc, vous pouvez aller et exploiter ça après. La seconde chose qu'on a, c'est vraiment moi-même en termes de mon opération. Quand tu fais une opération, tu veux te rassurer que chaque dollar, chaque franc CFA qui rentre dans ton compte, tu sais exactement d'où ça vient et comment ça vient. Donc, on a passé beaucoup de temps à développer une plateforme digitale qui nous permet à temps réel de voir concrètement chaque personne dans chaque village qui se sont inscrits, le montant pour lequel ils se sont inscrits, et voilà, combien ils ont payé. J'arrive à voir à temps réel tous mes agents qui sont sur le terrain, quelles sont leurs activités, mes responsables régionaux, mes agents du centre d'appel, combien, c'est quoi leur évolution. Et on a voulu investir beaucoup dans ça parce qu'on veut s'accroître rapidement. Donc, pour s'accroître, tu as besoin d'utiliser le digital. C'est incontournable pour toi-même, ton propre opération et pour atteindre tes producteurs. Donc, avec cet outil-là, j'arrive à tout maîtriser à distance. Franchement, je vous recommande vivement, si vous faites des activités commerciales, d'essayer de vous acquérir d'outils qui vous permettent d'avoir une visibilité à temps réel
sur toutes vos activités. C'est vraiment une plateforme très, très intéressante. Ça nous a coûté beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. Donc, c'est aussi à travers cette plateforme qu'on arrive à voir à temps réel qui fait des demandes sur notre plateforme. Donc, vous voyez ça ici, à tout moment, je peux voir qui a fait une demande sur le JES 144 JES pour que mes agents les appellent. Et je peux contrôler mon centre d'appel à distance avec mon téléphone ou en étant sur mon ordinateur dans mon bureau sans être au niveau du centre d'appel. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait une demande, c'est ici que ça vient. Ces outils-là, c'est très important de les développer. Et aujourd'hui, au Mali, on a beaucoup de développeurs qui peuvent faire ça. Il faut juste prendre le risque et se dire, ben, ça vaudrait la peine en fonction de mon produit. Finalement, c'est avec cette plateforme, c'est une application qui permet à nos agents sur le terrain d'inscrire les producteurs. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un bureau. Juste avec cette plateforme-là, un agent peut inscrire un client et automatiquement, il peut voir les villages, il peut demander le nombre de superficies et le prix apparaît. Vous voyez ? Donc, c'est une application, en fait, qui est sur le téléphone et c'est pratique aussi si tu es sur ton ordinateur. Donc, c'est avec ça que moi, mes agents travaillent. Donc, la dernière chose dans cette innovation, c'est qu'on a vu que 30% de nos clients utilisaient WhatsApp. Et aujourd'hui, quand tu es un producteur et que tu n'as que le JES 144 JES, c'est pas facile pour certains de l'utiliser, de lire ce qui est écrit et de comprendre. Donc, quand on a vu que nos clients aimaient utiliser WhatsApp, vous voyez, au fil de l'expérience, on est arrivé à un point où on s'est dit, ah, ça vaut la peine d'investir dans un chatbox WhatsApp. Et c'est quoi un chatbox WhatsApp? C'est un chatbox où le producteur vient et dit bonjour. On appelle ça Oko Djeliba. Et automatiquement, vous voyez, il y a un message qui apparaît en français et en langue nationale, en vocal. C'est un autre moyen d'atteindre vos clients. Donc là, je vais vous faire écouter rapidement. Ah, malheureusement, on n'entend pas. Ah, d'accord, c'est pas grave. Vous pouvez le tester en envoyer un message sur WhatsApp à ce numéro. Élodie, peut-être tu peux l'écrire sur le chatbox. Donc, le chatbox est bien exploité dans d'autres pays, hein, mais au Mali, il y a très peu de structures. La seule structure que je connais, c'est UBA, c'est une banque. Et tu peux aller sur leur chatbox pour faire plein de choses. Mais nous, on a pu adapter ça au monde agricole. Donc, à travers notre chatbox sur WhatsApp, le producteur peut calculer le prix de son assurance, il peut prendre plus d'informations sur l'assurance, il peut demander du crédit, il peut faire... Voilà, il peut tout faire et tout est en langue locale. Donc, pour nos producteurs qui ne comprennent pas le français ou qui ont du mal avec les menus, on arrive à les atteindre à travers cette plateforme-là. Si vous décidez que pour vos projets, un tel outil pourrait être pertinent, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous informer sur comment nous on l'a fait. Mais c'est vraiment utile et très intéressant. Donc ça, c'est vraiment les outils digitaux qu'on utilise. Évidemment, on utilise tout ce qui est messages vocaux pour atteindre les producteurs dans les zones rurales, les SMS, etc. Donc, la partie intéressante, c'est comment est-ce que nous, on a financé nos activités. Ensuite, je vais vous donner quelques feedbacks par rapport à l'entrepreneuriat dans ce secteur-là. Au tout début, les gens, c'était tellement nouveau, à la fois pour nos clients cibles, mais aussi pour les partenaires. Moi, je suis un investisseur. Le Mali, ce n'est pas un pays idéal pour investir. Et vous n'avez jamais testé ce modèle-là. Tu veux que j'investisse? Ben, mon ami, il faut aller faire tes preuves. Et ça, c'est tout à fait normal, sans vous mentir. Mais ce qui est très difficile, c'est comment est-ce que je vais aller faire cette preuve-là pour venir avec ces résultats et dire, regarde, c'est concret, c'est possible, on l'a fait. Maintenant, donnez-moi l'argent dont j'ai besoin pour vraiment mener mes activités. Donc, nous, on a fait ce qu'on appelle du bootstrapping. Hey, hop, hop, hop. On a fait toutes les compétitions possibles. On est parti sur tous les plateaux possibles. Quand on dit entrepreneur, on dit compétition, même si c'est 10 dollars, on est là. On a fait du vrai bootstrapping, pour vous dire. Et c'est au fil de notre bootstrapping que les différents partenaires ont commencé à prendre un peu d'intérêt. Il y en a qui ont dit, d'accord, je te donne 30 000 euros pour que tu me donnes tel résultat, mais je ne vais pas investir.
Et donc là, petit à petit, on a commencé à avoir des graintes. Vous voyez, c'est à travers les prix qu'on reçoit des compétitions et les petites graintes que nous, on a fait toutes nos activités. Y inclut le développement de nos menus, les SMS, tout a été fait sur cette base-là. Tu ne te lèves pas un matin pour dire « je vais entreprendre, je vais aller à la recherche de financement ». Non, tu atteins tous les objectifs que tu peux sans avoir besoin d'un centime venant de quelqu'un. Quel que soit l'objectif que tu peux atteindre en faisant du bootstrapping, c'est ça la vraie valeur de ce que tu fais. Et c'est ça que les gens vont regarder et dire « ceux-ci, ils ont du potentiel ». Si tu t'assois pour dire ben, « il faut que je lève des fonds d'abord, comment est-ce que je vais faire ça, je n'ai même pas un franc », tu es en train de perdre ton temps. Tu vas à la recherche de partenaires qui peuvent faire des choses gratuitement pour toi. Tu t'entoures de personnes qui sont intelligentes, qui peuvent t'aider à débloquer des choses sans pour autant dépenser un franc. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs sans perdre de l'argent. Et quand tu es prêt, tu prends ces résultats et tu vas montrer ça aux investisseurs. Si tu as un bon projet avec un bon modèle financier, je vous promets qu'ils sont prêts à investir. Donc, nous, c'est vraiment l'expérience qu'on a eue. On a fait du bootstrapping, on a fait des compétitions, on a eu des grants. Et finalement, l'année dernière, on est à la phase de levée de fonds de 1,5 million de dollars. Et pour une startup au Mali, ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc, c'est les incubateurs, les angels qui nous ont aidés à faire notre MVP. J'imagine que vous connaissez tous c'est quoi un MVP. C'est nos pilotes, c'est montrer qu'on avait plus de 400 clients payants en moins de 3 semaines, etc. Ça, c'est un peu le modèle que Téliman et Zaban, qui sont des startups maliennes, ont également utilisé. En novembre 2020, on est un peu à cette étape, on a finalement eu nos investisseurs qui sont tous prêts, combinés. Ce n'est pas un seul investisseur qui nous a donné les 1,5 million, hein. Mais c'est plutôt une collection d'investisseurs. Il y en a qui disaient, OK, je suis prêt à te donner 200 000, mais par contre, je veux que tu ailles me chercher un vrai investisseur qui est prêt à donner 600 000. Comme ça, moi, je vais te donner mes 200 000. Wow. Vous voyez un peu? Donc, on est là, mais s'il vous plaît, juste donnez-nous les 200 000. Ils disent non, on veut voir un autre vrai fonds qui est gros, qui est prêt à mettre 600 000 dedans. Donc, maintenant, on va à la recherche de ce qu'on appelle le lead investor. Le lead investor, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance, qui amène le plus grand montant d'argent dans ton projet et les autres vont suivre. Les autres petits investisseurs vont suivre. Donc, nous, c'est vraiment l'expérience qu'on a eue. Et aujourd'hui, on est à une valorisation. La valeur de notre entreprise, c'est 5 millions de dollars et on est à la phase finale de levée de 1,5 million. Donc, c'est vraiment très encourageant et on espère que d'ici 2022, on va pouvoir lever plus de fonds pour atteindre d'autres marchés et diversifier nos produits également au niveau du Mali. Voilà, ça, c'est un peu les photos des prix qu'on a reçus, les subventions, les concours, etc. Voilà, finalement, c'est la dernière partie. Donc, les leçons que moi, j'ai apprises de l'entrepreneuriat dans le monde agricole, c'est que le monde agricole est tellement divers. Il y a tellement de challenges, mais tu ne peux pas t'attaquer à tout. Surtout quand on parle de changement climatique, c'est encore un nouveau sujet. Donc, les gens sont déjà en train d'identifier les écarts, que ce soit un produit d'intrants agricoles qui est amélioré, qui est meilleur vu le changement climatique dans une certaine zone, que tu veux pousser, tant que les gens ne voient pas au fait, oh là là, les semences que je suis en train d'utiliser ne sont pas adaptées à mon environnement vu le changement climatique brusque. Si je le plante maintenant, ça ne va pas donner. Tant que les gens même ne voient pas l'écart du marché, toi, tu ne peux pas dire ça, c'est l'écart du marché. Parce que tout le monde a des idées. Avec toute idée, tu peux dire je peux faire des miracles. Mais le secret, c'est d'aller identifier auprès de tes clients le vrai problème. Et là, tu résous leur problème. Et là, c'est bon. Donc, nous, on a remarqué que dans le monde de l'assurance agricole, les autres startups ou les autres entreprises, quelques exemples sont là, ils sont notamment en Afrique de l'Est, eux, ils travaillaient avec les coopératives. Ou bien, pour avoir accès à l'assurance agricole, il fallait que tu partes prendre du crédit auprès d'une microfinance. Et là, la microfinance t'exige l'assurance agricole. Donc, il y a un grand monde qu'on n'arrive pas à toucher. C'est pour ça, Oko s'est dit, bah, dans ce cas, nous, on va éliminer tout ça.
on va aller directement à la rencontre des producteurs avec le digital. Chaque personne qui a un téléphone, tu n'as pas besoin de faire partie d'une microfinance ou d'une coopérative pour accéder à l'assurance agricole. C'est égal pour tout le monde. Ça, c'est l'écart que nous, on a identifié et c'est ça qu'on a essayé de target. Deuxième chose, c'est quel que soit qui tu es, tu n'as pas toutes les compétences. Il faut t'entourer de bons partenaires, même si ça prend longtemps. Les partenaires que nous, on a aujourd'hui, c'est Orange. Vous savez que Orange est compliqué et ils sont extrêmement chers. Mais par contre, Orange est positionné dans plein de pays en Afrique. Et aujourd'hui, ils ont les plus grands utilisateurs de mobile money au Mali. Si on voulait réussir, c'est avec eux qu'on devait travailler. Donc, on a été hyper agressif. On n'a pas pris non pour une réponse. On a foncé. Jusqu'à aujourd'hui, les gens de Orange pensent qu'on est fou, mais on dit on s'en fout. Dès qu'ils voient Oko, ils disent oh non, ce n'est pas possible, Oko. Mais c'est ça, on a une start-up, ce n'est pas à eux de pousser, c'est à nous de pousser. Voilà. Donc, l'autre partenaire, c'est Alias. C'est eux qui font la conception des produits d'assurance. Si on était parti avec une petite assurance lambda, on allait être restreint au Mali. Mais on sait qu'avec Alias, le partenariat qu'on a signé, c'est au niveau Afrique. Ce qui veut dire que si on veut déployer le produit dans un autre pays, on n'a plus besoin de trouver un autre partenaire. On va juste targeter les pays où se trouvent nos différents partenaires et on peut rapidement déployer le service. Donc, soyez agressifs si vous savez que c'est ce partenaire qu'il vous faut, même si ça va prendre 2 ans ou 3 ans, commencez dès maintenant et poussez. Poussez. Ce n'est pas à eux de le faire. Voilà. Donc, seconde chose, c'est que les partenaires ne font pas confiance aux projets innovants dans le monde agricole. C'est à vous de leur montrer que c'est possible. Donc, n'hésitez pas à pousser vos partenaires et faites vos preuves surtout. Pour finir, votre modèle économique n'a pas besoin d'être parfait au début. Comme vous l'avez vu avec l'expérience de Oko, on a tout essayé. On a essayé des partenariats microfinance, on a fait du bootstrapping, mais au début, on a juste avancé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait qu'avancer. Quand il y a de nouvelles opportunités qui viennent, le modèle économique change. Mais quand même, il faut avoir une base. Il faut savoir comment concrètement je vais me faire de l'argent. Mais avec le temps, les opportunités vont s'ouvrir. Vous voyez un peu, le monde rural et agricole change perpétuellement. Donc, n'attendez pas d'avoir un modèle économique parfait pour tester votre produit. Allez-y et avec l'expérience et le temps, vous allez trouver votre modèle économique qui vous fait de l'argent. Donc, ce n'est pas garanti, mais il y a une possibilité. Allez-y avec un modèle économique simple, direct et avec le temps, améliorez-le. Et finalement, quand vous êtes prêt à passer à l'échelle de phase idéation ou de création et de devenir une start-up en croissance, vous allez le voir. Ce n'est pas sorcier au fait. Quand tu vois que ton modèle réussit et que tu as 85% de taux de rétention, comme je vous l'ai dit, tu sais qu'il est le moment de passer à autre chose, d'améliorer le service, d'aller à la recherche de nouveaux clients. Et nous, c'était ça notre expérience. Le maïs a marché, on a fait nos phases pilotes et c'était un processus naturel. C'est comme si tu le sens au fait. Tu sens que tu as cette phase et tu es prêt pour le challenge. Et c'est en ce moment que tu le fais. Donc aujourd'hui, on est au Mali et au Uganda et on est fin prêt pour aller vers de nouveaux pays. Donc là, on peut se mettre à la recherche des partenaires dans ces pays-là. On a également fait la même chose pour les levées de fonds et aujourd'hui, on est en train de lever 1,5 million de dollars en total. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous avez soit appris un peu de l'assurance agricole ou au moins vous avez un peu appris de l'expérience d'une start-up au Mali dans le domaine dans le domaine agricole et surtout dans ce monde de changement climatique où on a vraiment besoin de services innovants pour aider les producteurs à faire face au changement climatique. C'est un peu tout. Bien. Merci beaucoup, Mariam. C'est vraiment passionnant. C'est très prometteur. Merci d'avoir partagé tout ça avec beaucoup de transparence, autant d'enthousiasme. Et puis, c'était une intervention aussi parsemée de petits conseils qui seront sans aucun doute très utiles pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a une vingtaine de questions sur le chat. Alors, je m'excuse d'avance si on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions. Et puis, bon, parfois, les questions se posent alors que les réponses viennent ensuite.
Peut-être commencer par une petite question de Lonas Léonard Coïta. Que signifie OCO, Mariam? Ah, très bonne question. Est-ce que quelqu'un sait Chiwara? Quelqu'un connaît Chiwara? OCO, c'est Chiwara. C'est au Bali, c'est le cadeau qu'on donne aux plus grands producteurs. C'est un totem pour les vrais agriculteurs. Donc, OCO, la version Bambanankan, c'est Chiwara. OK, très bien. Bon, voilà, certains écrits vraiment passionnants, impressionnants. Donc, voilà, un petit compliment au passage. En tout cas, ça fait plaisir de lire votre enthousiasme. Alors, Yiriba Diara demande, est-ce que vous envisagez d'intégrer l'appui conseil dans votre programme d'assurance, c'est-à-dire conseiller les producteurs sur les cultures à faire telle ou telle année en fonction des risques? Mariam? Oui, alors encore une fois, il ne faut pas étendre tes activités trop rapidement. Nous, le cœur de notre activité, c'est l'assurance. Petit à petit, quand on a la capacité, on ajoute de nouveaux services tels que microfinance ou accès aux intrants agricoles en payant petit à petit. Je pense qu'un jour, on va pouvoir arriver à faire ça, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais par contre, on a commencé à faire des vidéos avec les experts qui donnent des conseils en début de campagne, au beau milieu de la campagne, à la fin de la saison, comment planter, comment récolter, comment mettre l'engrais sur ses champs. Et ça, on partage avec nos réseaux d'entrepreneurs sur WhatsApp, mais on n'offre pas ça en tant que service. C'est un peu trop en dehors de notre champ d'action. D'accord. Alors, là aussi une question d'Alpha Cissé qui demande si vous envisagez un modèle similaire pour l'élevage. On ne l'a pas vu dans les perspectives, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire dans ce domaine? Peut-être qu'on peut suggérer à Alpha Cissé de se lancer. Ben, on a eu beaucoup de discussions par rapport à l'élevage. Mais par exemple, le maïs, il y a les éleveurs qui produisent le maïs pour comme animal feed. Je ne sais pas comment on dit animal feed en français. Nourriture. Au bétail. Voilà. Comment on dit ça? Nourriture animale, enfin nourriture pour le bétail. Voilà, donc ces éleveurs-là sont le bienvenu pour assurer pour le maïs. Mais pour l'instant, on n'est pas là-bas. Mais on espère un jour pouvoir évidemment développer un service pour les éleveurs en particulier. Mais pas pour le moment, non. D'accord. Oui, on nous dit aliment bétail. Oui, il y a quelqu'un qui dit, si c'est vrai, au Bali, toutes mes félicitations. Ah, ok. Désolée. Donc, sincèrement, je me demande si c'est vraiment au Mali. Oui, c'est au Mali. Ah, okay. Bon, c'est sur le QER. Donc, voilà, je suis actuellement assise à Balabougou. Alors, Abdoulaye Dembélé demande, quand est-ce que vous comptez rentabiliser votre investissement? Très, très bonne question. Donc, nous, notre modèle est vraiment basé sur le nombre de producteurs qu'on peut acquérir. Donc, on a investi pendant les dernières années pour que le produit soit le plus intéressant que possible. Aujourd'hui, on sait que si on atteint un certain nombre de producteurs, c'est en ce moment-là qu'on va commencer à se faire de l'argent. Et donc, cette année, si on atteint 20 000 producteurs, on aura atteint notre seuil de rentabilité dans les opérations. Là, actuellement, on est à 5 000 producteurs assurés. Donc, pour les 3 prochains mois, si on arrive à atteindre 15 000 producteurs, ça va. Mais c'est comme ça qu'on espère rentabiliser les investissements qu'on fait. C'est en essayant d'avoir on compte sur le volume de producteurs qui vont s'assurer pour générer du cash. Du coup, il y a la question aussi de Yiriba Diara, et moi-même, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. La question est, comment OCO gagne de l'argent, finalement? Voilà. Je pense que je vais prendre une seconde pour expliquer ça. Je pense que c'est important pour ceux qui se demandent comment faire un modèle économique. Donc ça, c'est notre modèle économique. C'est-à-dire, avec Alias, qui est notre réassureur,
on fait la conception du produit d'assurance avec eux. Donc, nous, nos techniciens à l'interne, plus leurs techniciens, on fait la collecte de données, l'analyse et on établit les prix du produit d'assurance. Maintenant, si le produit d'assurance coûte 10 euros, OCO va prendre 3 euros et l'assurance va prendre le reste des 7 euros. Maintenant, c'est avec ces 3 euros que nous, on fait la distribution du produit. Donc, nos équipes sur le terrain, le centre d'appel, les outils technologiques qu'on développe. Et finalement, à la fin de la campagne, s'il y a des sinistres, c'est OCO qui prend l'argent de l'assurance et redistribue à travers son mécanisme digital. Donc, nous, l'argent qu'on se fait là, c'est techniquement 3 euros sur chaque 10 euros. Mais en cas de compensation, c'est l'assureur qui paye. Vous voyez un peu? C'est l'assureur qui paye. Nous, on fait la conception, la distribution et en fin de la campagne, on fait le paiement des sinistres. C'est ça notre modèle économique. Mais dans le futur, dans 5 ans, dans 6 ans, on espère pouvoir être assez fort pour nous-mêmes développer le produit et donc pouvoir prendre les risques. Mais franchement, je le déconseille fortement. Parce que s'il y a perte totale, le climat, personne ne peut contrôler le climat. Imagine qu'il y a 20 000 producteurs qui sont assurés et qu'il y a sinistre, mais total. Il faut payer tous ces producteurs-là. Mais OCO est foutu. Donc, pour un début, ça nous arrange d'aller avec un partenaire. Oui, effectivement. Alors, Salahina Bokoum de dit, alors franchement, c'est un service salutaire et courageux. Est-ce qu'en dehors de OCO, il existe un autre assureur agricole au Mali? Alors, le seul assureur agricole qui existe, c'est un projet qui s'appelle FARM. C'est un projet canadien. Ils ont mis des fonds à la disposition d'une structure au Mali pour aller dans certaines communes en particulier et distribuer l'assurance dans ces zones-là. Mais c'est un projet sur 3 ans. Et sans vous mentir, moi, je ne suis pas trop fan des projets de développement. Hein. S'il y a un service qui peut être développé localement, vendu localement et que les producteurs souhaitent l'acheter, c'est beaucoup plus efficace sur le long terme que si on leur donnait de l'assurance. Et l'année prochaine, ce n'est pas à eux de payer l'assurance forcément. Donc, à part eux, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres services d'assurance au Mali, non. Donc, je peux dire qu'on est les pionniers, mais aussi on est les plus grands parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais on est les seuls, oui. Oui, effectivement. Mais si ça marche, on ne serait peut-être pas seul très longtemps. Il y a quelque chose qui s'appelle « first mover advantage ». J'imagine qu'il y en a qui sont conscients de ça. C'est quand tu es le premier sur le marché. Tu fais face aux défis, mais tu as aussi les avantages. Donc, on espère pouvoir vraiment capitaliser sur les avantages et comprendre les défis avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive sur le marché. Là, nous, on serait parti, broum. Ça fait 5 ans que l'État malien essaye de mettre en place une assurance nationale et jusqu'à là, ils sont toujours en discussion dans leur bureau. Donc, nous, on a dit, ce n'est pas grave. Nous, au moins, on va avancer. Vous allez nous retrouver sur le chemin. Alors, une petite question peut-être un peu provocatrice de Léonard Koïta qui dit « L'assurance agricole n'est-elle pas plus bénéfique à OCO qu'aux producteurs ?» Désolée, mon ordinateur est en train de... Est-ce que je peux changer ça ? J'aurais besoin qu'il me donne son argument. Koïta, si vous nous entendez, il faut lever la main, comme ça je peux ouvrir le micro. Voilà. J'aurais envie de dire que c'est gagnant-gagnant. Hein. Mais franchement, aujourd'hui, là, on ne gagne absolument rien. J'attends avant la prochaine question, hein, le temps que Mariam se mette en place. Je vois que la vidéo est coupée. Oui, je suis là. C'est bon? D'accord. Alors, il y a deux personnes qui ont posé à peu près la même question, donc peut-être rapidement revenir pour la question, quels sont les critères à remplir pour un agriculteur au Mali pour pouvoir souscrire à l'assurance agricole?
Donc là, il faut être dans l'une de nos zones d'intervention. Donc, comme je le disais, on est dans 6 régions du Mali déjà. L'assurance est conçue dans des rayons de 10 km. Donc, il faut être dans l'un de ces rayons où le produit OCO existe. De deux, il faut faire l'une des cultures qu'on assure. Donc, le maïs, le sorgho, le mil et sésame. Et maintenant, le coton également, mais c'est très nouveau. Donc, il faut être dans une zone où le produit existe. Il faut faire une culture qu'on distribue. Et finalement, il faut faire plus de 0,5 hectares. C'est tout. Il n'y a pas d'autre critère. C'est pour que ça soit le plus accessible que possible. OK. Fousseni Togo dit « Je demande à Mariam d'élargir son projet dans la région de Mopti, notamment dans le Sénot, car on cultive des milles et ils auront besoin de l'agriculture agricole. » Voilà. Donc, je passe le message. Ben, dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle. On est maintenant à Mopti. On n'a pas d'équipe à Mopti, malheureusement, parce que c'est une zone assez fragile en termes de sécurité. Donc, je ne peux pas envoyer quelqu'un là-bas en toute conscience, sans vous mentir. Mais le produit est disponible pour Mopti et on peut assurer des producteurs de Mopti. Donc, n'hésite pas à prendre contact. Avez-vous approché les structures comme l'IPR de Katibougou pour la promotion de votre produit? Oui, beaucoup de nos agents dans les zones rurales d'ailleurs viennent de l'IPR. Pour la promotion, c'est vraiment sur le terrain qu'on fait ça avec nos agents. Les agents choisissent les zones, les partenaires qui peuvent les aider à pas faire passer le message. Mais on n'a pas de partenariat direct avec eux ou on ne les a pas approchés directement. Oui, pas vraiment. Vous nous conseillez de le faire? J'imagine que oui. C'était une question. Là, à vous de voir. Quelqu'un m'a parlé du moringa. Oui, il y a une question sur le moringa. Bon, c'est vrai que les questions sont diverses, donc j'essaye d'avoir un fil conducteur. Sakale, c'est toi qui as demandé par rapport au moringa, c'est ça, non? Il y a Baba Traoré qui demande « Quel outil conseillez-vous pour la logistique avec différents producteurs du moringa ?» Ouh là là, ça touche un sujet sensible parce que je suis également productrice de maïs, ou techniquement. quel outil digital? Ben, déjà, il faut organiser le secteur du moringa. Si vous avez un outil qui vous permet d'identifier quels sont les différents producteurs de moringa à tout moment, et donc vous avez une chaîne de production, ça peut être utile. Mais Sagalé, il faudrait que tu m'appelles directement. D'ailleurs, tu as besoin de m'appeler, donc j'attends ton appel. Je te dirai en ce moment-là. Voilà. Alors, comptez-vous déployer vos services dans la sous-région comme le Sénégal, qui est un grand producteur d'arachide? Alors, au Sénégal, il y a déjà une structure nationale d'assurance avec PAM, le projet mondial de l'agriculture. Et eux, ça marche très bien. Je ne pense pas qu'on est prête pour telle compétition. Mais par contre, on regarde des pays qu'on regarde aujourd'hui, c'est notamment Burkina et Côte d'Ivoire, parce qu'on a de forts intérêts venant de ces pays-là, avec des partenaires qui sont prêts à faire des phases pilotes. Encore une fois, pour nous, tout est question de pilote. On teste le modèle, on teste le pays avant de mettre nos pieds dedans. Donc, pas le Sénégal pour le moment, mais dans la sous-région, oui. Okay. Ibrahima Boiré demande, peut-on dire que OCO est commissionnaire en assurance? Oui, c'est ça. On a une licence de distributeur d'assurance. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Très bien. Bien vu. D'accord. Conaré dit qu'il travaille sur le sésame et compte travailler avec l'assurance de OCO. Est-ce possible? Vous travaillez sur le sésame et... Et espère pouvoir bénéficier de l'assurance OCO. Est-ce que c'est possible? Alors, j'imagine que vous faites de la transformation ou autre, mais pas forcément la production. Donc, je vais aller sur cette base-là. Parce que si vous faites de la production, évidemment que vous pouvez être assuré. Mais la question, c'est plutôt si vous travaillez juste dans le secteur de sésame, qu'est-ce qui peut être fait? Donc, pour la petite histoire, on a des partenaires qui travaillent avec les producteurs, mais qui ne sont pas directement producteurs.
ils donnent de l'argent aux producteurs pour que les producteurs puissent faire la production. Et en fin de campagne, ils récoltent la production que les producteurs ont fait. Donc, on a de ces partenaires qui, eux, sont prêts à assurer les hectares de ces producteurs-là. Et comme ça, en cas où il y a eu inondation ou sécheresse ou voilà, tout problème climatique, les producteurs n'arrivent pas à leur fournir la production dont ils ont besoin, ils ont l'assurance pour compléter ça. Donc, c'est pour garantir leur perte, au fait. Ils ne sont pas directement producteurs, mais ils peuvent assurer les coopératives à qui ils donnent des semences pour produire. Donc, oui, différents modèles sont possibles. Hein. Même en tant que transformateur, tu peux assurer les producteurs avec lesquels tu travailles. Et au cas où ils n'arrivent pas à te donner ce que tu veux, tu as l'assurance qui vient en complément. D'accord. Alors, Isiaka Dounion, pardon, dit « Je connais Mariam en tant que promotrice de Ika Moringa. » Oui. Qu'en est-il de ce projet ? Est-ce qu'on est sur ce plateau-là, là ? On peut dire qu'on a plusieurs casquettes. La réussite d'un projet n'empêche pas la réussite d'un autre. Ika Moringa encore est en vie, mais je dois dire que Ika Moringa est sous respiratoire, sans vous mentir. On ne peut pas produire sans eau au Mali et j'ai eu tellement de problèmes pour avoir une quantité suffisante d'eau au champ que j'étais obligée de restreindre ma capacité de production de Moringa parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, j'ai vraiment des problèmes pour avoir une bonne source d'eau. Mais ça va. Quelqu'un demande, quel est votre parcours académique, Mariam ? Comment êtes-vous arrivée là ? Enfin, quelles études avez-vous faites ? Avez-vous fait Alors, je n'ai pas été agronome du tout dans ma vie. Mon papa était agronome, par contre. Il était à la CMDT, donc j'ai un peu ce côté-là. Moi, j'ai commencé mon parcours en Afrique du Sud. Je suis partie dans une école qui s'appelle African Leadership Academy. C'est un programme où ils identifient des jeunes dans différents pays de l'Afrique. Ils les mettent ensemble et pendant 2 ans, ils étudient l'entrepreneuriat, le leadership et tout ce qui est African Studies. Donc, j'ai fait ce programme-là. Ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai continué mon parcours. J'ai commencé avec ce qu'on appelle Business Administration. Donc, c'est vraiment business et développement international. Ensuite, je suis partie en Angleterre. J'ai vraiment détesté ça. J'ai vraiment détesté business parce que je me suis dit, si je vais apprendre à faire la comptabilité, ce ne serait pas sur un banc. Donc, quand je suis partie en Angleterre, je me suis spécialisée dans l'économie des pays en voie de développement. Donc, c'est après ça, j'ai fait plein de stages. Moi, depuis le lycée, je fais des stages. J'ai fait des stages aux États-Unis, au Sénégal. Quand j'étais en Angleterre, chaque opportunité que j'avais, je testais le maximum que possible les différents secteurs. Donc, c'est là-bas que j'ai travaillé pour la seconde plus grande boîte d'assurance au monde qui s'appelle Swiss Re. Et j'étais dans leur département d'analyse financière. Et c'est vraiment là-bas que j'ai vu l'assurance. Et ensuite, je suis revenue au Mali. Voilà, vous connaissez le reste de l'histoire. Mais j'ai toujours évolué dans le monde agricole depuis que je suis revenue au Mali. Pour ceux qui me connaissent de Donny Lab, ils savent bien que je suis très passionnée de l'agriculture. Alors, d'autres demandent si vous recrutez actuellement au sein de... Oui. Oui, je suis en plein recrutement pour un communications officer et pour un agent au centre d'appel. Mais c'est vraiment la communication traditionnelle. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. D'accord. D'autres demandent comment prendre contact. Je pense que je vais vous écrire mon adresse mail. Voilà. Beaucoup le demandent. Alors. Merci d'avance. Voilà. Oko.finance. Pardon. C'est Mariam. Oko.finance. N'hésitez pas à m'écrire là-bas. Je suis toujours sur mon ordinateur. Voilà, mais merci en tout cas d'avoir partagé cet email. Et donc, je pense que certains vous contacteront. Il y a encore quelques questions, mais c'est vrai que certaines ont été répondues durant la présentation. Et puis, Mariam a déjà partagé son support de présentation qui sera mis à la disposition de tous sur la Dropbox. Donc, je pense que, comme en plus,
Cette séance a été enregistrée. Elle est disponible en replay sur la plateforme Facebook et plus tard sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez regarder encore pour bien comprendre le modèle, comment ça fonctionne, puisque tout a été vraiment bien décrit. Et j'imagine qu'il y a aussi un site internet sur lequel vous décrivez bien. Et si vous êtes intéressé, on a même reçu le numéro de téléphone direct au WhatsApp pour pouvoir contacter le centre d'appel et pouvoir bénéficier de ce service d'assurance agricole. Sans doute que vous connaissez des agriculteurs qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas à relayer cette information autour de vous, puisque, si j'ai bien compris, il reste 3 ou 4 mois pour 2021 pour que Mariam atteigne ses objectifs. Donc, on la remercie d'avoir passé presque 1h30 avec nous et davantage pour la préparation de cette conférence. On se doit de faire passer le mot et de partager ce que nous avons appris ce soir avec elle. Donc, Mariam, au nom de toute l'équipe de DoniLab, je vous remercie vraiment pour le temps passé avec nous. Ça a été vraiment enrichissant. J'espère que si on relançait le sondage, beaucoup d'entre vous se considèrent maintenant comme des experts d'assurance agricole et pensent que c'est aussi un service prometteur dans ces contextes d'aléas climatiques qui font que voilà, l'agriculture n'est pas facile et le sera encore moins avec toutes ces incertitudes sur le climat, sur le régime des pluies, les sécheresses ou inondations à venir. Donc c'est vraiment pas évident, alors nous pensons que ce type de service peut répondre aux besoins de beaucoup d'agriculteurs. Voilà. Donc, peut-être que... Est-ce que Tidiane est là? Ali est là? Dans tous les cas, cette conférence clôture le module dédié à l'agriculture. Et la semaine prochaine, on aura toute une série de conférences qui est dédiée plutôt à l'énergie. Puisque, bon, nous l'avons compris au fil des conférences, il est important de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, avec l'épuisement des ressources naturelles, pétrole, gaz, il est important de se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et donc, les intervenants la semaine prochaine vous parleront du potentiel des énergies renouvelables, biomasse, solaire, dans le contexte du Mali et quelles sont les opportunités d'entreprendre dans le domaine. Voilà, vaste programme. En tout cas, merci beaucoup, Maria. Merci aux participants pour votre participation, toutes les questions. Pour ceux qui aimeraient recevoir une certification Donny Green, vous recevrez ce week-end un petit test pour ce deuxième module et on vous souhaite déjà bonne chance à tous. On n'est pas là pour vous piéger, on est simplement là pour voir si un certain nombre de connaissances sont acquises. Donc, rendez-vous à partir de demain pour ce petit test pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Mariam, je crois qu'on peut vous souhaiter un bon week-end et merci encore pour l'enthousiasme. C'était merci à vous, ce fut un plaisir, vraiment. Merci Mariam. Bon week-end Mariam, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Au revoir à tous, bonne soirée.